Et salut à tous les amis, bienvenue à la M-Compagnie dans ce nouvel épisode de notre aventure sur Super Mario Bros. Wonder. Et je lance la vidéo vraiment très rapidement, c'était pas prévu ce qui se passait. On a encore un guet-apens qui nous attend, voilà, donc je m'y attendais pas, j'ai vite lancé le record. Donc on s'en était arrêté ici les amis dans le dernier épisode, donc nous sommes aux îles Florales, on s'était arrêté ici, voilà. Donc le monde 2, dans le monde 3 pardon, qui est juste en face, les îles flottantes, on avait donc terminé ici. Les cavernes joyaux, donc on avait terminé ce niveau, et donc on était ici. Donc si je vais à droite, ce sera le monde numéro 4, pour ça il faut, j'ai 13 joyaux bonheur là, et il en faut 10, donc c'est parfait. Et puis là on a un guet-apens qui nous attend pour arriver au monde numéro 5. Voilà, bon bah écoutez, on va commencer par le monde 4, ça me paraît relativement pas mal. Donc on va directement débloquer avec les joyaux, voilà. Qu'est-ce que je raconte? À chaque fois j'oublie, hein, c'est quand même terrible. Voilà, monde 4, désert cuisant, on va pouvoir y aller. Mais d'abord, un petit tour chez notre brocanteur du coin, Bazar de Poplin. On va faire le plein. Graine prodige, ça s'appelle. Voilà, à chaque fois j'oublie. Donc je vais acheter directement une graine prodige. C'est toujours ça de prix. Et on va se faire un petit plaisir. On va se prendre 5 vies supplémentaires. Je pense qu'on en a besoin. Voilà, je pense qu'on en a besoin. Bon, là on va pas faire les Yankees non plus. On va pas faire les pigeons. Donc on va pas prendre plus. Ce sera déjà pas mal. Voilà, reviens quand tu veux, mais avec grand plaisir. Je sais que tu aimes bien ma compagnie. Et on a une petite note ici aussi. Les îles florales sont au centre du royaume des fleurs. Ces îles sont entourées par les autres régions. À l'est d'ici s'étend donc le désert cuisant dans lequel nous allons aller. Les mines fongiques se trouvent au sud et le volcan végétal à l'ouest. Donc ça, ce sera par la suite. La carte globale vous permet d'avoir une vue d'ensemble des régions. Très bien, voilà. Je pense que maintenant on a compris un petit peu comment ça fonctionnait. Voilà, c'est parti. Direction le monde 4, désert cuisant. Voilà, on a une belle vue globale. On est déjà à la moitié du jeu, c'est fou. Alors en termes de map, hein, je parle. Peut-être pas forcément en termes de gameplay, puisque ça va être de plus en plus dur, de plus en plus long. Mais qu'est-ce qu'on a soif ici? Tu veux de la bière peut-être? S'il y en a qui viennent pleurnicher, le soleil séchera leurs larmes. Oh, oh, oh. Ok, il faudra 15 trucs pour débloquer là-haut. Donc là, c'est pas un problème, je crois qu'on en a 3 du coup maintenant, il nous en reste 3 si je dis pas trop de bêtises. Allez, dis-moi tout. Voici donc le désert cuisant, il fait chaud, hein, c'est vrai. Hein. Il fait très très chaud. Je pense qu'on trouvera une autre graine royale, mais non, tu penses? Allez, c'est parti. C'est parti et on a... Ben non, on a 0 graine prodige du coup. Bon, ma foi. Bah, on va déjà en avoir une. Comme d'habitude. Ici même. Oh, c'est différent là cette fois-ci. C'est un petit niveau, c'est mignon ça. Eh? Oh putain, j'arrive pas à récupérer le... Oh! C'est quoi cette merde? Je veux mes pièces! Oh non, me dis pas que c'est les sables mouvants. Ah non, c'est bon. Moi j'avais un souvenir sur Nintendo DS où les sables t'emportaient dans le sous-sol, pour ceux qui s'en souviennent. Peut-être que c'est toujours le cas et qu'on va peut-être tomber sur ça. Il faut faire super attention parce que c'est super dangereux. Et j'en avais fait des cauchemars. Donc voilà, où est passée l'eau? Malheureusement vous n'en trouverez pas une goutte chez moi. Un terrible garnement est venu dans le désert cuisant et nous a dérobé notre précieuse eau. Je vous en prie, aidez-nous. Vous devez récupérer notre eau. Tenez, cette graine prodige pourrait bien vous aider. Très bien. Et bah j'ai hâte de terminer le monde 4, parce que ça veut dire que si on le termine, on va avoir de l'eau à la fin, donc ça va changer l'univers, et ça va être beau, ce sera moins cuisant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc plutôt sympa. En tout cas les amis, bienvenue, prenez place, n'oubliez pas le petit pouce bleu en ce début d'épisode, le petit commentaire également qui fait plaisir, et puis encore une fois merci Firestorm, gros clin d'œil, gros big up, sans lui cette petite aventure ne serait pas possible. Arthur Firestorm. Altesse, c'est terrible, hormis l'oasis, il n'y a plus une goutte d'eau dans le désert cuisant. Alors, si tu regardes bien, il y avait de l'eau en bas. Hein. Normalement, le palais est entouré d'eau, mais il a fallu que ce malotru vienne nous la voler. Mais regarde, il y a de l'eau juste à côté, là. Je vais surveiller l'oasis, mais je vous supplie d'aller reprendre le contrôle du palais. Pas de problème. Si tu m'aides, je pourrais. Le sable blanc. Si vous vous perdez dans les vastes étendues de sable blanc, appuyez sur L pour consulter la carte. Je pense qu'au bout d'un moment, on a compris que comment ça fonctionnait. Hein. Nous avons un peu de tout pour toi. Allez, encore un bazar. Trop bien. Oh! Bon, de toute façon, j'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes. Bon, une graine prodige m'attend, ça c'est pas mal. Par contre, on a un nouveau badge. Enchaînez vos sauts en les effectuant juste au bon moment pour sauter plus haut, même sur le sable.
Bon, là de toute façon j'ai pas de thune. Mais il nous faudra de la thune. Tout le monde y veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Qu'est-ce que je suis censé faire? Quelle chaleur! On m'a tout raconté à ton sujet. Tu es là pour nous aider, pas vrai? Sache que le désert regorge de secrets cachés. Cherche bien. Ok. Donc même dans le hub, il y a des secrets. Bah déjà là, c'est un secret, là. Il faut bien fouiller. Ah ouais. Bon. Déjà. Intermède montée scénique. Oh, vas-y, go. Vas-y, go. Hop, on vient de trouver un petit bonus. Ça régale. Ok. C'est sympa. C'est original. Chaque monde est différent. Oh non, mais ça fait peur. Ah. Mais les gars, je ne comprends pas. Ah. Ok. D'accord. Eh ben, bah, je savais que c'était une histoire de timing. Mais je savais pas c'était quel moment qu'il fallait sauter, quoi. Ah merde, j'ai pas pris les pièces à gauche. Oh le con. Là par contre, donc ça va être très important évidemment de récupérer ce qu'on cherche à chaque fois, hein, la graine. Mais là il nous faut aussi des pièces violettes, hein. Là c'est trop important, il nous faut de l'argent. Je regarde juste s'il n'y a pas des petits trucs ici. Oh, pyramide et bout de ficelle. Mais on va faire tous ces petits niveaux là qui apparaissent, qui pop, hein, parce que c'est secondaire, faut faire un petit peu le tour. Voilà, il y a des petits easter eggs et au moins bah, ça permet de récolter des thunes. Donc c'est plutôt pas mal. Ah. Alors attends. Mais c'est génial ça. Oh. Mais j'adore la les mécaniques de jeu sont légendaires. Mais non. Mais non. Excellent. Excellent. Ah non, les mécaniques franchement sont magnifiques. Est-ce que je peux sauter dessus? Oh là là, ok. Ok. Très bien, très bien, très bien. Bon, tout ça on s'en fout. Là c'est les pièces violettes hein, qu'on va privilégier évidemment. Ah, ça c'est chiant. Reviens. Allez, on se bandit. Hein. Je pense que je vais bien aimer ce monde. Il y a moyen que je kiffe ce monde. Et... Oh là là, magnifique. Alors ça par contre, ouais. Je vais bien aimer ce monde jusqu'à ce point-là. Parce que ça, mon pote, c'est mortel. Ok. Oh non. Oh bien ça. Bien joué ça. Hop, hop. On récupère les petites pièces. Ah, dommage. Oh là. Ok. Et voilà. Oh bien. Comme ça on récupère aussi. Ah, il y a peut-être des pièces un peu partout, attendez. Oh, let's go. Ok, bon, il faut qu'on vise aussi les pots de poterie hein, parce que là mon pote, il y a moyen de se faire grave plaisir. Alors là. Alors là, je peux te dire, il y a forcément un tuyau où on peut rentrer dedans, mais je vois pas lequel. Alors attends, on va casser tous les pots. Ah bah c'était pour ressortir les pots, je pense. Ok, checkpoint. Hop, magnifique. Oh, ça c'est magnifique. Bon, j'ai dû en rater donc deux. Mais bon, ouais, maintenant c'est pas grave. Oh, c'est l'heure du champignon hallucinogène. Ouais. Oh, oh non. Reviens. Oh, je veux. Alors par contre, ça c'est vraiment ce que je veux là. Voilà. Oh, il m'a nargué. Oh le salaud. Attends, mais il me fait emmener où là? Ok. Oh non, dommage. J'y étais. Ok, bon là il faut tirer. Ok, c'est bon, ça va le faire. Ah, parfait. Wow, ça va, tu vas te calmer. Oh bâtard. Le salaud.
Alors. Oh non. Bon. Je n'ai qu'une seule vie. Hein. Oh. Oh. Dégage. Dépêche. 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 Ok, excusez-moi si je parlais pas, j'avais les mains moites. Oh, j'avais les mains moites. Let's go, graine prodige obtenue, on a eu le bonus magnifique. Et là, j'avais les mains moites. Les gars, je voulais pas trop parler. Alors, attendez. Je vais préférer, voilà, faire attention. On va privilégier, voilà, de ne pas mourir, ce serait dommage. Hop, ça c'est pas mal, ça. J'aime trop la mécanique, là. Attends, j'ai un truc à tirer. Dégage, toi. Attends, comment tu fais pour tirer ça? Surtout, qu'est-ce que ça apporte? Allez! Bon, j'ai compris. Voilà! Let's go! Oh, dommage, on n'est pas allé jusqu'au bout. Mais c'est pas grave. Ça nous fait deux graines prodiges en un. Enfin, durant cette épreuve, ça c'est vraiment chouette. Et ben, j'ai bien aimé ce niveau. Comme dit, à part les pigeons là qui te tombent dessus en ligne droite, ça c'est vraiment terrible. Bon, une fois que tu les as appréhendés, ça va, mais. Ah, et puis cette scène là avec les pics qui arrivent sur toi là, ça c'est vraiment très effrayant. Et. What? On a un accès qui mène là-haut. Mais attendez, en fait, je suis en train de faire le bon chemin sans faire exprès. Attendez, parce que il n'y avait pas un autre chemin à la base? Si je regarde la carte. Si, il y avait un autre chemin possible. En fait, tous les chemins sont possibles, c'est génial. Bon, moi j'aimerais trouver l'easter egg là. Déjà, je pense qu'il faut que je fasse ça. Et que je marche sur la plaque là-bas aussi. Voilà, et attends, il n'y a pas un truc qui vient d'apparaître ici? Oh, défi badge, parachapeau. Ça, on va pouvoir faire aussi. Là aussi, il y a quelque chose. Déroulement de Tatumi. Là, du coup, bah, on y était juste avant. Là, il n'y a pas d'autre secret. Peut-être derrière la fontaine. Mais c'était sûr, ça. Danse ninji. Ok. Il y a du potentiel. On retournera ici si jamais on a vraiment besoin de thunes. Et puis sinon, bah voilà, c'était par là qu'on... Le vrai chemin principal. Gouroule en colère, ok. Là, je visite parce que pour une... Là, on a une liberté dans le hub. Je vais appeler ça un hub. On a une telle liberté. Putain, c'est excellent, quoi. Excellent. Vallon des globalons. Vas-y, on va voir ce que c'est que ça. Au hasard. Un drapeau marqué stage dont vous avez atteint le sommet du drapeau. Ok. Oh purée. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Oh ça va être infernal. Ok. Vas-y viens voir. Ah. Gênant. Voilà. Ah il me la fallait hein. Il me la fallait. Donc si je tire dessus c'est bon, ça l'élimine direct. Hop là, 10 pièces, magnifique. Hop là, hop là. Oh. Mais non, mais non. Oh dommage, on n'a pas pu aller jusqu'en haut. Trop stylé. Hop, hop. Oh dommage, ça aurait pu être très joli. C'est pas grave, on va remettre ça. Ah oui, mais si je me mets dessus, ça marche pas, voilà. Allez, hop, 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 hop. Ah. Faut que je me mette là. Allez, maintenant, maintenant. Ah, c'est dommage, j'arrive pas à aller tout en haut. Dommage. On va pas forcer le destin. Un. Deux. Trois. Let's go! On a 51 pièces orange. Vraiment pas mal. Oh putain. Plutôt pas mal, il en faudrait 100 du coup. Pour avoir le badge. Bah, remarque qu'on n'a pas forcément besoin d'acheter le badge d'ailleurs. Hop, oh putain, purée, punaise. Oh j'ai compris ce qu'on pourrait faire. Ok, dangereux hein. C'est un jeu dangereux, c'est un jeu qui me plaît. Oh non, il voulait pas tirer les boules. Bon là c'est abusé. Ah mais en fait, ils nous attaquent pas les machins. Ok. Dommage. Bon. C'était bon à savoir. Ah j'ai bien aimé aussi ce petit niveau là. Ça change, c'est un peu chill.
Et on récupère notre graine prodigie. Non, c'est plutôt pas mal. Ah, j'ai mon stream deck qui a fait un truc bizarre. J'ai un... Hop, j'ai ça qui vient d'apparaître. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Intermède, jeton flottant. Voilà, comme ça, on a encore un petit... un petit bonus cadeau. Attends, comment ça marche? Faut grimper là. D'accord. Qu'est-ce qu'il est censé faire là? Ça? Ok, on récupère les pièces. Et attends, comment t'es censé monter là? Ok, j'ai compris. Et de une. Et de deux. Hop! Oh, en plus je récupère la pièce orange. Oh, bien. Ah, purée. Attends, là, j'y vais y arriver, là. Ok. Oh. 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 Dommage. Allez, petite pièce. Ah, j'ai pas récupéré la pièce. Eh, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Allez, celle-là, c'est... Oh, c'est pas vrai. Ok. Allez, la dernière, elle va être chiante. Oh, la dernière, elle va être chiante. Oh, la dernière, elle va être chiante. Oh ouais. Oh bah j'ai récupéré une pièce sans faire exprès. Trop bien. Moi je veux aller sur ce truc. Allez. Oh là là. Oh. Oui. Oh putain. C'est insupportable. Heureusement qu'il n'y a pas de timer. Hein. À une époque il y avait un timer pour ce genre de truc. Mais là tu m'étonnes. C'est beaucoup de la chance. Je vais péter mon crâne. C'est bon pour vous là? Je vais péter mon crâne. Je vais... péter mon crâne. Allez, c'est bon. Eh ben... Ah oui, on va peut-être récupérer notre bien. Voilà. Pour la petite graine bonus. Graine... La graine bonne... Allez. Graine prodige. Oh purée. Bordel. J'ai pas parlé. Allez. On va monter, on va prendre le chemin principal. J'ai quand même pas compris comment faire pour activer le truc bonus. Alors, Gouroule en colère. Allez. Commençons par ici. Battez 8 ennemis d'affilée pour gagner 1 up qui ajoutera une vie à celle qui vous reste. Ah ouais? Faut tuer 8 ennemis d'affilée? 1, 2. 3. 4. 5. Ouais, mais c'est pas ça d'affilée. J'ai compris. D'affilée, c'est genre quand tu glisses. Oh! Regarde. C'est genre si tu tues tout le monde en faisant ça, quoi. En faisant ça. Wesh! Je suis passé dans le... Je suis passé dans le tuyau. Superbe. La vie est belle. Hop. 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 Tu m'excuseras, je me casse, hein. Voilà, je vais faire ma vie sans toi. Ok. Trop bien ça. Dommage. C'est pas grave. J'ai le checkpoint. J'ai même droit aux petites flammes. Oh non, j'ai pas récupéré le truc rose. Tant pis, c'est pas grave. Regardez, je vais récupérer mieux. Voilà. Donc là, si j'avais eu le jeton, et d'ailleurs, je vais le faire tout de suite, le jeton rebond salvateur. Voilà, ça, c'est vraiment l'idéal dans ce genre de move. J'ai quand même perdu une vie bêtement, là. Je m'en veux un peu. Bon, moi, je vais récupérer ma pièce orange, regardez. Violette, pardon. Voilà. Et au moins, j'ai récupéré aussi celle-là, de toute façon. Un pec. Hop, debout. Debout la racaille. Hop là, hop là, hop là. Hop. Hop. Ouais. Oh purée, ça c'est mal joué de ma part. Mais c'est pas grave. Ah, ok. Attendez. Parce que là on va avoir un petit problème. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, attends, on est à la fin là? Non, on n'est pas à la fin encore, c'est bon. Wow. Ah si, on était à la fin, j'ai trop le seum. Eh ouais.
Mais il m'a incité. Ah oh, putain. Attends, c'est pas grave, je peux revenir. Allez, let's go. Ouais. Allez. J'ai compris, je vais me faire foutre. Ah bah de toute façon c'est bon, allez, prodigieux, magnifique. Heureusement j'avais une bonne détente. Un bon saut, ça régale. Ça fait toujours le taf. Ouais. Cinquième épisode, Mkolo il pète un plomb. Goroul en colère. Ok, on a 89 pièces violettes, donc en vrai ça va aller. Du coup, on se retrouve de nouveau là, donc au final ça revient au même. C'est ici qu'on a débloqué le passage. Juste là, voilà. On avait débloqué ici. Aïe le pont. Je réparerai bien ce pont, mais flétri comme je suis, je n'ai plus aucune énergie. Tu me donnerais des pièces fleurs? Alors attends. Oui, parle-moi sous un autre ton. Attends. Pourquoi t'as besoin de faire un pont là? En vrai, pourquoi t'as besoin de faire un pont? Je comprends pas. Pourquoi tu veux faire un pont? Je vais pas te donner de l'argent pour faire un pont, j'en ai rien à péter moi de ton pont. Putain, mais excusez-moi, là il me faut 15 trucs. J'en ai 7. Donc là, bon, il va falloir que j'optimise mes chances de gagner des trucs. Hop, labyrinthe bicolore, let's go. Elle où tu me demandes de l'argent, putain. Pour faire un pont, quoi. On s'en fout de ton pont, là. On a pété. Là, vous voyez Dark Mkolo. Ah non, mais sans déconner, moi je veux bien donner mes pièces, mais enfin. Wesh. Ok. Merci. Alors je peux aller là. Faire ça et hop. Ah, c'est marrant la mécanique. Ça me fascine. Voilà. Quoi, ça meurt pas ça? Ok, d'accord. Je retiens. Ça ne meurt pas. Eh mais attendez, les manettes elles font du bruit. Je suis en train de découvrir la Switch. La manette elle fait du bruit quand tu vas sur ces trucs là. Et vous l'entendez pas vous? Putain, c'est marrant ça. Hop. Attends. Voilà, comme ça. Oh, c'est trop stylé, c'est trop d'art. Hop. Oh non. Je fais que de la merde. Hop là. Oh, reviens. Ok, là il faut que je réactive. Oh, c'est quoi ça? Allez, va te faire foutre la putain de ta race. C'est quoi le truc qui me suit là? Oh. Hop. J'ai pas compris ce truc qui me suit là. Bah il me suit plus d'ailleurs. Hein? Checkpoint. On est dans le noir. Ça fait flipper. Pour le coup. Très flippant. On dirait un jeu d'horreur. Ah. Hein? Ah, je suis pas né de la dernière pluie, hein. Je suis un pro gamer, moi. Guette-moi ça. J'ai fait ça toute ma vie, hein. Faut pas croire, hein. Bah ouais, mec. Ah. Ok, j'ai compris. Fous-moi la paix. Tu me fais trop peur. M'en bats les couilles. Hop. J'aurais pas dû aller là. Wesh. Oh la racaille. Tiens, prends. Merde. Prends ça. D'accord. Hop, hop, hop. Et je le bloque. Qu'est-ce que je dois faire? Oh non. Oh. Voilà. Graine prodige obtenue. S'il te plaît, disparaît. Merci bien. Je récupère ça quand même, hein. Ça c'est gênant. Parfait, ça s'est bien passé là, j'ai eu ma graine prodige du milieu de parcours, donc ça c'est vraiment chouette. Hop, on inverse le sens. Et là, écoutez le bruit de la manette, je vais vous le mettre au micro. Attention. Ah, je sais même pas si ça s'entend. Tellement agréable, ça vibre et tout. Enfin bref.
D'accord. Quel est l'intérêt du coup de ce truc? Oh, tu me saoules toi. Ouais. Ok, attends, quel est l'intérêt de ce que je suis en train de faire? Oh putain, je suis en train de me mettre dans le mal pour rien. Non, ça sert forcément à quelque chose. Ah! Tout ça pour une petite pièce, quoi. Oh! Alors toi... Toi, je t'ai eu. Ok. Et on revient là. D'accord, j'ai compris maintenant toute la mécanique. Eh, c'est bien pensé, quand même. Ah, c'est quand même bien pensé, hein. Et là, si je descends là, il se passe quoi? Voilà. C'est une blague? Oh! Ok. Bah, je vais aller me faire foutre. Bon, là, c'est déjà ouvert. Ah, il faut une clé! Et c'est cette clé qui va permettre... Ah, purée, j'ai compris! Ça y est, j'ai compris. Ouais, mais du coup, là... Ouais, pour remonter, j'ai pas le choix de... Oh! Casse la tête. Bah non, du coup. Hop, hop. Là, non, non, non. Non, dommage. Oh, ça, je prends, messieurs, dames. Voilà. Et j'ai 118 pièces, les gars. Ah. Je me suis fait recaler. Je suis cru en boîte. Allô. D'accord. Aucun respect pour les anciens. Voilà, et on peut y aller, magnifique. Ok, un système de porte et de clé, quoi. Ok, bien joué. Ok, bien joué, merci. Ah, alors attends. Ok, bien joué, bravo. Voilà. Hop. Oh non, j'avais le move, là. Mais tais-toi, toi. Tu parles à qui, là? T'as couché... Mais ta gueule. Pardon. Mais, oh, je vais t'enfumer, toi. Bravo. Mais pourquoi j'arrive plus bravo à faire ce que je veux faire? Oh punaise. Ok, j'ai compris. Bravo. J'ai compris. Bravo. Non mais là, là... C'est une blague. Bravo. Allez. Sus. Mon zizi. Allez, ça m'a saoulé là. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à rebondir une deuxième fois. Ça a été patché. M'en fous, j'ai eu deux graines prodiges durant ce stage. Donc voilà. L'essentiel est dans l'actel, bien évidemment. Voilà, belle miniature. Belle capture d'écran. Donc on se retrouve avec 9 sur 15. Oh, là j'ai le droit même à une dixième. Facile. Donc il m'en restera plus que 5 à récupérer. Super, nous voilà sortis du labyrinthe. Ce désert est vraiment mystérieux quand même. Je viens de me souvenir de quelque chose. Il paraît qu'un badge serait caché dans ce désert et qui te permettrait de courir un peu plus vite. Oui, bah c'est le badge que je comptais acheter. Et que d'ailleurs je peux acheter maintenant. Mais en vrai, on n'en a pas forcément besoin. On n'a pas encore eu de niveau... où on était dans du sable mouvant et que ça dérange. Donc bon. Je vais juste récupérer toutes les pièces là. Comme ça, ça c'est fait. Et maintenant je vais activer mon truc. Oh non. C'est une blague. Attends, je crois que c'était là. J'ai trop le seum. C'est éclaté au sol. Ok, faut que je fasse ça, ça, ça. Ok. Alors là, là, là... Mais là, si je fais ça, normalement, ça marche. Voilà. Allez. Eh ben, ça, c'est une bonne chose de faite. Voilà. Bon. 10. Donc, tu veux combien de pièces, toi? 50 pièces. Ouais, de toute façon, je vais même pas payer mon jeton, donc... Allez, vas-y. Je vais te donner, peut-être que tu vas me donner... Même pas. Ah, mais non, mais ça permet de débloquer ce passage. Ah. Superbe. Ah bah, ça valait le coup, en fait. On n'avait pas le choix de faire le pont pour pouvoir monter tout en haut, je crois, non? Excellent, pousser chez les Poussumos. Pas de problème, on va pousser. On va pousser. Attention. Oh purée, elle est tombée, elle s'est cassée la cheville. Allez,
Ok, on peut pousser ça. Hop, ça j'ai vu, direct. Alors. Ok, 3 coups, ça suffit. Là, il faudrait que je pousse donc ce truc-là, j'ai compris. Oh putain! Mais je suis trop con, je pensais qu'il allait... Ah! Je pensais qu'il allait... Bah oui, mais putain... Oh, ça me saoule. Tellement nul. Tellement nul, le type. Mais non, arrête de faire ça! Il faut pousser dans l'autre sens, espèce de débile. 1, 2, 3... Heureusement que j'ai racheté des vies, quand même. Hein. En vrai, de vrai. Hein. Heureusement que j'ai racheté des vies. Voilà. Hop. Attends. Ça, j'aimerais bien récupérer le point d'interrogation. Alors, maintenant, je sais pas comment faire, mais... Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et là, un petit champignon. Let's go. Oh, je peux pousser ça. Attendez, attendez, attendez. J'ai trouvé un easter egg, là. J'ai trouvé un easter egg. Oh, oh, oh. Ça, ça m'excite. Là, ça rattrape tout ce que j'ai donné pour investir dans le pont. Évidemment, j'ai placé de l'investissement dans ce pont pour arriver justement sur ce niveau-là. Voilà en ce qui concerne les taux d'intérêt, bien évidemment. Oh. Chouette. What? Oh là là, la perspective. Incroyable. Ok, faut que je re-rentre de nouveau. Mais non, mais c'est incroyable. Hein? Oh, j'adore! Tout est une question de point de vue, évidemment. Si vous n'avez pas vu mon let's play sur le jeu Super Limina, il faut que vous le regardiez. C'est 4 épisodes, mais vraiment 4 vrais épisodes de bonheur. Pour le coup, c'est un jeu qui est masterclass, mais je pèse mes mots. En vrai de vrai, vous devez regarder ce let's play, hein, vraiment. Ok. Super Liminal, plus précisément. J'ai oublié une lettre. Voilà. Hop. Attends. Il y a forcément un truc ici, non? J'adore faire des squats. À quoi ça sert de pousser ça? Peut-être qu'il y a une pièce cachée, qui sait? Pas du tout, ça ne servait à rien. Oh non! Oh la couche! Ah! Je pensais pas qu'on rentrait dedans. Bon, l'avantage, c'est que je peux revenir, je crois. Voilà. Ah, je pensais qu'elle était trop grande. Mais on va revenir parce que là, il y a des trucs à faire quand même. Hein. Et là, quand je vois une pièce... Oh putain. Genre. Quand je vois cette pièce qui me tend la main... Est-ce qu'on peut aller en bas ou pas? Non, on va éviter. À mon avis, c'est un piège. Voilà! Bon, on a perdu l'éléphant, mais on a gagné des pièces. C'est pas rien. Eh. Ah bah alors, mon pote. Est-ce que j'aurais pas trouvé toutes les pièces du jeu, là? Hein? Est-ce que c'est pas le meilleur niveau que j'ai fait jusqu'à présent? Alors. Ah, c'est bon. On peut tout pousser. Ok, bon, j'ai compris ce qu'il faut faire, évidemment. Pas besoin d'avoir 200 de QI. Hop. Oh non. Oh, je t'aime pas. Voilà. Voilà, faut se méfier de ce truc. Terrible. Hop. Et la porte fut... Incroyable. Et vraiment, les mécaniques sont masterclass, hein. Oh, il va m'écraser. Oh, t'as vu ça? J'ai fait gaffe. Hein. À tout moment, il m'écrase. Hein. Attends, mais c'est moi qui vais l'écraser. Oh, la force! Allez! Ça fait quoi de se faire pousser par une fille? Gros nul! Gros nul! Il a moins de force qu'une fille. Gros nul. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Que dalle? Évidemment. Gros nul! Je parle comme les Simpsons. Oh non, j'ai pas réussi, bah oui, je croyais que j'avais le parachute. Et voilà, comme d'habitude. C'est ça le problème des jetons, là. Enfin, des badges. Ah, j'ai qu'une seule graine prodige, mince. Oh, dommage, j'aurais espéré en avoir deux. J'avais pas fait gaffe, je pensais que j'en avais une deuxième. Bon, dommage. Bon, mais c'est pas trop mal. Ça se trouve, elle était là où il y avait le vide, où j'ai pas osé. Allez, c'est possible. Non! Mais non! J'ai relancé le niveau! Comment on fait pour quitter? Comme ça? Comment on fait pour quitter? On peut pas quitter? Attends, tu rigoles? Ah! Quitter! Quitter ce stage! Ok, c'est bon. Oh, j'ai eu peur! Ouais, hein. Moi, je le refaisais pas, hein.
Ok, ce pont nous permet d'accéder à cet endroit. Ok. Ah, c'est pas si mal que ça, le pont, finalement. Regardez-moi ça. Ça va où, là? Où c'est que je suis allé, là? What? Je suis dans le monde 5? Je suis passé par où? Oh, c'est Toad! Tu ne t'attendais pas à trouver quelqu'un ici, pas vrai? Ravi de te rencontrer. Enfin, on ne s'est encore jamais rencontré, si. Mais tu sais peut-être qui je suis. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver dans cet endroit lugubre. Attention, ne va pas croire que j'ai peur. Un capitaine n'a peur de rien. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Oh, mais j'ai failli oublier. J'ai trouvé 50 pièces fleurs. Tiens, je te les donne. Oh, ça m'a renvoie... Incroyable. Ça me rembourse la construction du pont. Ça a été uniquement fait pour rembourser le... Ok. Excellent. Ah, c'est excellent, c'était juste pour rembourser, voilà. Pour les mecs qui chercheraient comme moi, voilà. C'était juste pour ça, c'est un cul-de-sac qu'on peut aller à nulle part d'autre. Donc, très stylé. Donc, le pont a servi juste pour ce niveau, hein, par contre. Hein. Qu'on soit bien d'accord, ça ne servait à rien d'autre, on peut pas monter là. 1, 2, 3, le pont est réparé. Voilà une nouvelle qui me ravit jusqu'au pétale. Hein. Je vais enfin pouvoir retourner voir une danse ninja. Tu ne sais pas ce que c'est? Eh bien, tu peux trouver les ninjas sous la colline derrière l'oasis. Oh! Sauter en rythme avec eux est une expérience incroyable. Vas-y, on y va. On va essayer ça. Alors, attends, on va descendre. Et c'était un bon investissement, ce pont. On a bien fait de le construire, finalement, tu vois. Donc, il a dit, c'est au niveau de l'oasis, il y a des collines. J'ai du truc. Waouh! Alors, ça... Oh, il y avait ça! Eh ben voilà, attendez! Je viens de récupérer une pièce. Hop. Attendez, je viens de débloquer encore un easter egg à mon avis. Voilà, bebou. Incroyable. Oh, une piste de danse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Piste épineuse. Et rien d'autre. Oh. Ah si, il y a encore quelque chose. On vient encore de prendre un tunnel. Mais non. Monde 3, chute dorée. What? Encore Capitaine Toad? Tu ne t'attendais pas à trouver quelqu'un ici, pas vrai? Excellent, le mec il cherche des trésors partout, quoi. Ok. Et du coup, ça me donne 50 pièces fleurs. Let's go. Là, je viens de gratter 50 pièces fleurs. Oh là là, 206 pièces roses. Oh, magnifique. C'est vraiment chouette de retourner dans les précédents mondes et dans les mondes suivants également. Du coup, bah on va en profiter pour du coup faire la piste épineuse et essayer de choper deux trucs. À la fin du let's play, j'aurais toujours pas retenu le nom des trucs. Ce serait pas mal. Et après, on ira voir les collines dont il parlait là dans le hub. Est-ce que je peux shooter ça avec ma trompe ou pas? Attends. Ok. Ok, je peux pas casser, par contre, ouais, je peux l'envoyer. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Ah, c'est dommage, là, j'aurais pu faire un combo et avoir ma vie supplémentaire, du coup. Ouais. Ça, c'est con. Alors, par contre, voilà. Ça, je l'ai vu, t'inquiète pas, mec. Là, faut en être aveugle pour pas le voir. Comme on dit. Alors, attends, tu veux quoi, toi? Comment je passe? Oh! Voilà! Oh non! Alors ça, c'était débile de ma part. Ça, c'était débile de ma part. À moins qu'on puisse y aller? Attendez, bougez pas. On va voir. Oh! Ah ouais, non. Ah, dommage. Eh oui. Là, si j'arrive à monter... Oh non, il est là, c'est bon! Let's go! Allez! Magnifique, j'ai eu mon one-up. Ah, purée, c'est génial. Magnifique. Hop, je repasse par là. Parce qu'on aime le parcours du combattant, bien évidemment. Allez, un petit effort, ma grosse. Ah, ok. Allez, 1, 2, 3. Ça s'arrêtera là. 1, 2. Alors, tu commences pas à me choper par le callback. Oh non. Oh putain, c'est vraiment de la merde. Vulgaire, pardon. Ouais, et on est riche, on est encore plus riche qu'au début de l'aventure. Checkpoint. Ouais, le retour de l'éléphant.
Et du coup, chaque personnage a un pouvoir différent. Mais moi, du coup, je m'en lasse pas, moi, de l'éléphant. Moi, j'ai même pas essayé les autres personnages. J'ai même pas envie d'essayer les autres personnages, moi. Je veux garder mon éléphant. Alors, ça, il me le faut pour avoir ma graine. Ça, il me le faut pour avoir ma graine. Maintenant, comment faire? C'est une très très bonne question. Bon, peut-être qu'on peut revenir en arrière. Voilà, par là-haut, par exemple. Oui. Il faudrait que j'arrive à monter, en fait. Ah, mais je peux rien faire quand je suis grosse. On peut rien faire quand on est gros. C'est bon, j'ai réussi. Excusez-moi. Let's go! Là, c'est le moment, il faut pas flancher. Oh, purée de pommes de terre. Allez, go, 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 go! Ouah, ça va super vite en plus. Hein? Mais non. Ok, faut choper toutes les... Oh non. Oh non. Mais putain! Je rage premier Doug. Non mais sérieux, ça me saoule. Bon, j'ai compris ce qu'il fallait faire, vous inquiétez pas. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu recommences plusieurs fois pour savoir ça, ce qui est chiant, quoi. Oh non. Hop. Bon, là, au moins, je suis pas grosse. Donc. Bah non, c'est la même merde. Voilà. Allez, s'il te plaît. Là, de toute façon, il faut qu'on le fasse, hein. Il faut qu'on ait un maximum de graines prodiges. Oh! Il y a des haut-parleurs dans les manettes, mais c'est un truc de ouf. Hein. Allez. Maintenant, jusqu'ici, on connaît. Voilà. Putain, elle glisse. Hein. Et là. Hop. Et hop. Ok, j'ai raté toutes tes pièces. Ok. Toi, je t'ai. Oh, ça glisse. Oh, ça glisse. J'ai trop le seum. Voilà, j'ai trop le seum, ce putain de jeu de merde. C'est bon. C'est bon, quoi. Ça suffit. C'est pénible. Allez, on est reparti, du coup. Ah là 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 là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Hein. Ça m'affole ou quoi? Allez, go. Go, 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 go. Voilà. Allez. Voilà, voilà, et hop, voilà, 2, 3, 4, oh, j'ai failli me refaire avoir, allez, 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 c'est bon, c'est pas fini, voilà, merci. Oh là, franchement, j'aurais pété un plomb. Moi, bon, j'aurais pas abandonné parce que vraiment, il nous la faut, cette graine prodige. Mais voilà. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ok. Superbe. Allez, suce ma bite. Non, sans déconner, c'est trop. C'est trop. Allez. On recommence vraiment là? Non, y a pas besoin de recommencer. Je l'ai eu ma graine prodige là, j'ai pas besoin de recommencer. Hein. C'est bon, normalement j'ai pas besoin de la refaire. Sans déconner! C'est quoi ça? Eh, vous allez croire je le fais exprès. Hein. Et pourtant vous avez bien vu mon gameplay depuis le début, hein. Je le fais pas exprès. Hein. Sans déconner quoi. Sans déconner quoi. Allez. Voilà, on va suivre la boule, elle fera bien le taf. Voilà. Malin ça. Malin. Hop. Prodigieux, ouais, si on veut. Allez, j'espère que ça m'a bien comptabilisé la première. Voilà, c'est parfait. Ok, voilà, j'ai eu peur. Non, franchement. Hein. Là, ça l'aurait vraiment pas fait. Hein. Là, ça aurait joué sur mes nerfs. Ok, donc c'est plutôt pas mal. J'espère que vous kiffez voir un mec rager, ça fait toujours plaisir.
Voilà, 13 sur 15. Et là, la 14e qui est cadeau, encore une fois, en avant, mais ça dort. Vas-y, c'est parti. Moi, j'aime bien quand tu finis un niveau et qu'après, on t'offre la possibilité de gagner, hop, rapidement, direct, boum, boum. C'est vraiment chouette. Donc, on saute sur l'occasion. Hein. Ok. Attends. J'ai un tuyau, il se passe quoi si je vais là-haut d'abord? Ok. Il se passe pas grand-chose. Hein. Ouais. Merci, monsieur. Qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce que je dois prendre la queue? c'était manifestement pas ça qu'il fallait faire. Comment je suis censé passer là? Ok. Non mais il faut que je prenne le... Okay. Attendez, c'est la première fois que je suis bloqué, qu'est-ce que je dois faire? Superbe! Superbe! Ah, voilà! Et maintenant? Et maintenant? Qu'est-ce que je suis censé faire pour autant? Non mais là, on se fout de moi. C'est pas logique. Je peux y aller là? Bah non. Évidemment que je peux pas y aller. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Attends, j'ai compris, il faut le faire rouler. Voilà. Bah oui. Mais moi je peux pas passer. Je peux pas passer. Vas-y, je le poursuis. Ok, c'est bon, j'ai capté. Allez, let's go! Eh, ça fait du bien aussi au cerveau. Pareil, ça fait un peu travailler le QI. En fait, ce jeu devrait être obligatoire pour les enfants. Très bien. Alors attendez, on va quand même aller voir près de l'Oasis s'il y a des montagnes. Il y a des gens qui dansent. Apparemment. Derrière les dunes, ils ont dit. Derrière les montagnes. D'accord. Bah c'est pas là. C'est pas là, on était déjà là par contre avant. Danse ninja. Ah mais c'est peut-être ça. Ah mais c'était ça en fait, ok. En fait c'était ça. Bah on va le faire, ça va être notre dernier machin à avoir pour y arriver. Eh, c'est la musique du juste prix, je reconnais. Incroyable. Waouh. 2, 3, hop. 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 Et ça zouk. Ça fait du zouk. Oh non. J'ai foiré. Hop. 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 Hey, hey, hop. Hey, 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 hop. Ouais, ouais. Bon, ça s'arrête quand? C'est chiant. Hein. Ah, mais voilà. Ok. 3, hop. 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Je stresse. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2. Non! Hop, 1, 2, 3, 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 hop. Je suis censé aller où là? Il est là. Reviens. Ok. En fait, à chaque fois, il faut sauter en rythme, hein, si jamais. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas compris, et comme là, ce que je viens de faire. Et voilà. Hop. 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 Hop.
Hop. Hop. Ah merde. Ah, forcément, je peux pas trop parler quoi, c'est ça ce qui est chiant quoi. 3 4 Et voilà, j'ai foiré. Bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Hop. J'ai pas besoin de sauter. Hey! 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 Let's go! Green prodige obtenu! Ah, mais c'est pas fini en plus. Ah, bah voilà. Let's go. Putain, c'est amusant quand même. On s'amuse bien. Bon, forcément, je peux pas trop parler. Pour se concentrer, j'ai le rythme dans la peau, mais quand même, hein, il faut se concentrer, c'est important. Ah, vous m'auriez vu, j'ai quand même zooké, hein, zook machine, sex machine, là, vous m'auriez vu, j'étais vraiment en costard cravate en train de bien zooker comme il fallait, j'ai bien kiffé. 1, 2, 3, hop, tu avais vraiment le rythme dans la peau. Oh, et on a récupéré le badge, saut en rythme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce badge? On a récupéré un badge. Gagner des pièces en sautant en rythme avec la musique, bah c'est bien de la merde. Mais c'est rigolo, c'est pas mal. Plutôt pas mal. Attendez, regardez. Je vous parie qu'il y a une pièce violette qui va sortir. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va se rendre directement. Eh bien, à notre lieu, grand soit accroupi. Ça, c'est fun, ça. Ça, c'est fun, j'ai quand même envie de le faire. Voilà, j'ai quand même envie de le faire parce que c'est trop stylé, ça. Mais c'est vraiment pas le maître sujet. Mais j'ai vraiment envie de le faire. Ce badge là il est trop trop bien pour s'amuser. Sinon s'il sert à rien. Genre là tu fais ça, tu fais. Ah oh, magnifique. Ok. Magnifique. Bon au pire. Allez j'ai trop le seum. 1, 2, 3, hop. Voilà. 1, 2, 3. Ah oh, mais on peut marcher accroupi putain je savais pas. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Ok. Bon là j'ai pas besoin. Ah oh. Je n'avais pas anticipé. J'ai pas pu récupérer ma pièce. Putain. D'accord. Dommage. Allô. Est-ce qu'on pourrait me respecter? C'est pas ici. Attends, je vais me préparer au cas où. Voilà. Bon, c'est dommage, on en aura loupé une. Et on aurait même pu avoir les trois, tu vois. Dommage. Dommage. Super simple en plus, niveau là. Enfin, ce défi. Vraiment cool. Ah, ça c'est gênant. Alors attends, j'ai compris. 1, 2, 3. Hop. Allez, ma cascadeuse. Ça régale. Allez, hein, je suis une grosse merde. Oh. Attends. Ah. Voilà qui est gênant. Bon, je suis content de pas être mort. C'est déjà pas mal. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Bon, allez. Trop compliqué. Mais l'idée était vraiment, vraiment bonne. Allez, ça c'est fait. Et donc, du coup, on va pouvoir attaquer... Les choses sérieuses. Allez, il nous offre encore un, mais vas-y, on s'en fout. Tu as l'air de maîtriser les effets de ce badge, ton nom, c'est bon. Du coup, mais t'as vu, on peut même aller là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit encore? Il y a plein d'endroits secrets. Ouh! Un bazar planqué! Que ça reste entre nous, bien sûr. On a, oh, un nouveau badge. Courez et marchez un peu plus vite que d'habitude, même sur le sable. C'est pas le même badge que celui d'en bas! Allez, c'est pas mal. Je l'achète au cas où parce que c'est quand même 10 balles. C'est pas énorme. Par contre, là, putain, et toutes les graines prodiges. Bah, j'en ai pas besoin. Hein. Je vais pas les acheter. Hein. Vas-y, mets-moi le badge rapidité. Comme ça, on pourra l'essayer. Mais je vais pas acheter les graines prodiges. Vous allez voir, on en aura pas besoin parce qu'on va changer de monde juste après, à mon avis. Donc, Ah, bah non, c'est pas le boss final, ça. Je suis con. Mais non, c'est pas le boss final, ça. Mais c'est pas grave. Allez, dans tous les cas, on débloque. Et on sait qu'on a un vendeur de bazar pas bien loin. Et ça régale. Voilà, palais du désert cuisant. On y va, on se le fait. Travaillons ensemble pour récupérer l'eau volée. Appuyez sur R si tu veux que je change de badge. C'est bon, t'inquiète. Tu vas vraiment rentrer là-dedans ? Ah, ça veut dire que j'ai pas le bon badge en vrai. Parce qu'il n'y a pas de sable mouvant là-dedans, si. Ah, si, il y en a là. Oula.
Eh ben parfait, du coup voilà, je cours quand même. Pardonnez-moi. Je cours quand même rapidement dans le sable. Ah, c'est pas mal. Ça peut être pas mal en vrai, ouais. C'est une très très bonne idée que j'ai eue. Le timing... Ah ! Le timing était bon. Bon là, le timing était un peu moins bon. Je déteste ces trucs. Pareil, les mauvais souvenirs dans les châteaux, là. Pour ça, je croyais que c'était un château final, mais en fait, pas du tout. Non, on peut pas rentrer dedans. Hop. Est-ce que je peux l'utiliser là aussi ? Ah ouais. C'est super cheaté, ça, quand même. Mais ça, c'est super cheaté, hein. Regarde le cheat, quoi. C'est un cheat code ultime. Oh là là. Ça devrait être interdit. Aïe. Attends, qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Allez. Ok, j'ai compris. Bon, là, ça commence à puer la merde. Non. Eh ben, je m'assois dessus. Tant pis, je vois pas comment tu peux faire. Donc c'est complètement con, ça a été mal pensé. Le mec bien de mauvaise foi. C'est complètement débile. On se dit, oui, bonsoir les filles. Ok. J'aime bien. Bonsoir les filles. Comment tu fais pour aller là-haut? C'est pareil, c'est complètement débile. Tu peux pas. Bref. Oh non. Ok. 311 pièces quand même, hein. C'est pas mal. Hein. Quand je dis pièces, je parle bien des trucs violets. Ok. Eh bien, messieurs, dames, je crois que c'est les escaliers de la fin. Non, non, mais c'est le boss final alors. C'est le boss du monde là, on est quand même à la fin. Ah, mais c'est fou quoi. Comment le temps passe vite? Pourquoi mon écran? Attendez, j'ai un problème d'écran. C'est bon, écoutez. Hop, voilà. Ça régale. Salut Bowser Junior, je suis encore là. On est dans l'eau? Mais, monsieur parle sous l'eau en plus? J'étais en train de m'amuser dans l'eau et vous êtes venu tout gâcher. Et bah ça fait rien. Bientôt il va y avoir un gros prodige. Et là, plus personne ne résistera à papouner. Ah bah ton papounet, je lui ai enlevé 3 nuages et là je vais lui envoyer un 4e en fait. Si jamais, hein. Alors attends, ah il peut nager aussi, bye. C'est fort ennuyeux. Oh, regarde ce que je t'ai mis. Moi aussi je peux faire ça, hein. Ah 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 ah, grosse merde. Le retour de Rey Mysterio. Alors je sais pas du tout comment il va réagir. Putain, il a volé toute la flotte, mais il a mis toute la flotte ici. Oh, ça fait des nuages d'eau. Oh, c'est chouette, ça. Hop. Oh, alors là, j'ai pas attendu une seule seconde, hein. Là, je l'ai mis KO. Oh, ça, c'est dangereux, ça. On ne joue pas avec les piquets comme ça, hein. Ah ouais. Je pourrais tenter un truc, mais j'ai... Pour l'instant, j'ai un peu peur. Alors. Oh, je l'ai shooté. Genre, je l'ai shooté avec le feu. Énorme. Ok. Allez, attrape-moi si tu peux. Oh là là. Une extrémis. Et là. Ah, dommage. Et voilà. Ni plus ni moins. Bon, il lui en fallut pas beaucoup hein, quand même pour le fumer là, hein, pour le coup, mais j'ai bien aimé ce niveau. C'est con, hein. Et c'était bel et bien le final, donc j'ai bien fait de pas avoir fait d'acheter pour rien des trucs. Ça va nous être grandement utile bien par la suite, pour la graine royale obtenue. Parce que si j'avais acheté des graines prodiges supplémentaires, bah ça aurait servi à rien dans ce monde. Donc au moins, mon argent pourra servir pour le monde suivant. Et comme ça, je ferai moins de niveaux pour pouvoir débloquer le niveau final. C'est malin quand même. C'est très malin. Oui. Ah, c'est, bah c'est le retour de l'eau. Let's go. Nos héros purs. Rendre l'eau volée au désert cuisant. Où vont-ils se rendre maintenant que la 4e graine royale est entre leurs mains?
Choisiront-ils lieu et ruine mystérieuse des mines fongiques ou les bassins de lave du volcan végétal? L'aventure pour mettre un terme est loin d'être terminée. Let's go! Donc en un épisode, on vient également de boucler ce monde. Et on en a vu pas mal de ses secrets d'ailleurs. Vraiment sympa ce délire un peu open world. Et donc on va pouvoir prendre un hélicoptère pour retourner sur les îles florales, bien évidemment. Ah bah c'était bien sympa les amis! J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, cet épisode. Encore une fois, faites-le moi savoir si c'est le cas avec le petit pouce bleu qui fait plaisir. Ça encourage la chaîne, évidemment. Ça encourage le contenu. Puis le petit commentaire, j'ai hâte, évidemment, de vous lire. Voilà, on a pas mal de pièces pour se faire plaisir pour les prochains épisodes, là. Donc ça régale. Et on va pouvoir chasser l'avant-avant-dernier nuage. Et ce serait le nuage jaune. J'aurais pu le deviner, en plus. J'allais le dire, mais j'étais pas sûr. Allez, plus que de nuages! Et ce sera plutôt pas mal, mais il a pas l'air très content, Bowser. Hein. Je peux évidemment comprendre, mais Peach est vraiment très bonne. Voilà. Plutôt chouette. Hein. Oura! Ça valait le coup de nous agiter sous cette chaleur de plomb! Pardon, excusez-moi. On n'est pas au bout de nos peines, oui, bah comme tu dis. Allez! Les amis, à très vite. C'était Mkolo. Plein de bisous. Ciao tout le monde.